cette crèche ajaxienne pourra-t-elle favoriser l'embauche du personnel corsophone? C'est l'énième point de discorde entre la préfète de Corse, Josiane Chevalier, et le président du conseil exécutif, Gilles Simeoni. Dans une délibération adoptée en septembre dernier, l'Assemblée de Corse acte le projet d'un établissement bilingue pour la crèche du Laetitia. Cette délibération précisait alors « favoriser l'emploi lors de nouvelles embauches corsophones ». Mais cette partie de la délibération ne passe pas auprès de la préfète de Corse. Dans une lettre que nous nous sommes procurée, Josiane Chevalier demande à Gilles Simeoni de modifier le passage. Cette mesure pourrait être considérée comme discriminatoire et de ce fait représenter une atteinte au principe constitutionnel d'égalité des citoyens. Le principe d'une crèche bilingue n'est pas contesté par le contrôle de l'égalité, qui dit néanmoins, si vous recrutez des personnels corsophones, c'est une discrimination. Donc on veut faire du bilinguisme, sans les gens qui sont bilingues, ce n'est pas possible, étant précisé que nous proposons également, bien sûr, une formation pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas le corse. Il y a à mon avis une contradiction fondamentale. Gilles Simeoni annonce également que la délibération sera maintenue en l'état. Jointe par nos soins, la préfète de Corse nous a expliqué de son côté ne pas vouloir s'étendre sur la polémique.